Allez. Bon. Merde, papa est déjà parti? Où il est allé? Pas moi qu'il a dit bon matin à ma mère avant de partir. Morning, bon matin maman. Qu'est-ce que mon papa a été? Il m'a pas dit, mais j'imagine que il est au Sérémail au plein de Sérémail pour aider. Pour aider pour le setup, pour organiser le concours d'archer. Il regardait vraiment enragé. En d'autres mots, il est enragé parce qu'elle voulait pas aller au concours et qu'il a dit qu'il était comme ça. Il a dit qu'il était comme sa mère, ou elle a dit qu'il était comme elle. Elle a dit, Erika, sa mère, dit, oui, quand j'étais jeune, à ton âge, j'étais aventurière. Et c'est là que j'ai rencontré la première fois ton père. Il voit comment toute petite tu es, il est probablement un peu trop protecteur. Pas si petite, j'ai 16 ans. Prendre soin de moi-même, je le sais. Mon cœur. Des fois, il a pas une grosse différence entre la braverie et la folie. Il semblerait que c'est vrai. Faut faire attention. Je me suis bien trouvé papa pour m'excuser. Je parlais des garçons avant. Tu sais, le petit blanc, il accroche sur toi, son nom, again. Excuse-moi, maman, je me rappelle pas de personne. Adrian, oui. Mon père, il est un peu brusqué. Je suis sûr qu'il va te voir à nouveau. On peut qu'Adrien est une mauvaise personne. Ton père va se calmer éventuellement. Je vais parler à Adrien. Je pense qu'il est au temple, au nord-est de la ville. Bonne idée, je vais peut-être y aller. Je t'aime, mon cœur, bonne chance. À la compétition, ton père. Alors, on se bat tous les deux tanks, on balle. Hé, ma petite sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le papa, il a sorti dehors comme s'il avait envie de frapper quelqu'un sur le nez. Alors, je me suis aventuré hier soir. Pas de manger pour toi, le minou. Oh, il y a un coffre. Dans ce chemin. On a raison. Je viens de parler à Adrian d'hier soir. Spécialement depuis qu'on a trouvé le ring. Talani, hello! Je suis Talani, la marchande. Dans n'importe quel coin de Arafil. Tu veux quelque chose?
Il va falloir que tu trouves des gros cristals qui est caché dans Arafil. Un gros bazar en arrière du camp. Sud. Je te dis que c'est à droite. C'est ça? C'est une maison, ça. Ça ne durerait pas les affaires qui n'ont pas rapport. Lolita, tu regardes vraiment bien aujourd'hui. Tu me rends une faveur. Ne dérange pas. Qu'est-ce que vous avez besoin, mes chéris? Un sac de farine. Du bazar. La partie sort. Sud-ouest, peut-être? Le parc. Vous avez de la farine, là, madame? Hello, Lita. Can you do something favor? Oui. Et bien, monsieur, là-bas au nord-est. Puis... Ah, c'est lui qui vend la farine. Salut Darkus Lord. Ah ben merci. Je vois si la farine ça fonctionne.
Toi, ça va? Voilà, est-ce que t'as trouvé la farine? Oui, j'ai trouvé, merci. Tout le monde dit que t'es une faiseuse de troubles, mais je pense que t'es vraiment une bonne enfant. Oh, ne me dérange pas. C'est un vieil homme. Peut-être me déranger au village des Tomboy. Ouais, merci, ça me fait plaisir de te voir, mon vieux fou. J'ai une lettre pour vous. De qui? Miss L. Mon garçon semble aller correct. Merci beaucoup. Et dites-moi si vous avez reçu mes remerciements. Et excusez-moi de vous avoir ignoré. Remercier pour la lettre et tout, elle veut le payer. Et voilà, elle donne 20$. Merci beaucoup. Il y a un coffre là. Je leur demandais c'était quoi ce cercle bizarre. Hello, Rita. Oh.
Fait que c'est difficile tout de suite. Je suis fatigué parce que c'est difficile tout de suite. Après que mon père et ma mère sont passés, sont morts peut-être. C'est dur de vivre. J'ai fait attention, j'ai utilisé les leçons que ma mère m'a données. Est-ce que je peux faire quelque chose? Faire quelque chose maintenant. Le trésor est réel. J'ai contacté la vérité. Peut-être que je ferai assez d'argent pour impressionner Lita. Et m'impressionner? Lolita, je suis fier d'avoir vu. Oui, mère. La chose s'est juste sauvée. Là, tu le vois, Percy. Quel chat idiot. Il est parti où? Il est parti au sud-est. Le chat avant qu'il sorte de la ville. C'est un nouveau chat. Ok. Salut Adrien. Oh, Lita. Je m'attendais pas vraiment à te voir aujourd'hui. Ma mère a dit... Qu'est-ce que papa t'avait dit? Il est vraiment enragé. Mon père m'a jamais aimé. Vous allez devoir vérifier le mauvais temple. On fait pas pour ça. Même si on n'a pas trouvé le ring, l'anneau. Elle a dit, tiens, elle a montré l'anneau, puis elle a dit, si tu as trouvé ça, j'ai dit, peut-être que j'ai regardé. Et toi, montré à Adrien le ring en or, l'anneau en or, avec un petit cristal bleu à son doigt. Ben, mon Dieu. Tu as vraiment trouvé le ring. Tu le portes. Tu l'as trouvé où? Dans la cave Twisty Cave, en dessous du trou. N'est-ce pas, Lita? T'embrasser. On va devenir riche. Tu penses? On va prendre un peu de cet argent pour acheter un cadeau à ton père après qu'on aurait vendu l'anneau. Bonne idée. Fais juste ça, tu me le donnes avant que je rencontre mon contact. Mon père m'a... Ma mère m'a demandé de... Mon chat s'est sauvé, ma mère m'a demandé de regarder pour... payer de nouveau pour ce ring, ben tu peux m'aider à trouver mon chat. Je peux faire ça. Le monde agit bizarrement dernièrement, c'est peut-être juste une coïncidence. La dernière fois que j'ai vérifié, mon contact n'était pas à l'endroit qu'on avait dit. On a le temps de vérifier pour ton chat. En passant, Lita, je suis vraiment content que nous sommes encore des amis après qu'est-ce qui s'est passé. Moi aussi. Oh, Adrien.
Adrien fait partie du party. Welcome to the party. Adrien, approuvé. Comment qu'il était vraiment fort dans les combats. Avec son, et puis il était avec ça son bouclier. Il a une grosse capacité de bloc. Grosse défense, puis une spécialiste de défense pour les alliés. Tu as mis ça dans ton dos. C'est beau. Et si ton doigt tombe à terre, tu viendras pas pleurer à moi. Activer le pouvoir de ce mystérieux ring. Bien, curieusement, deux. L'eau. J'ai gagné l'habilité du Elven Focus. Elven Focus. La Witch Grim. Pas de power pendant. Ouest, tu vois. Une des prouesses pendant. Oh, le chat est posé par en bas. Oh, il est où le chat? La maison de Mr. Ranger. Ma mère a dit que le chat avait couru dans cette direction. Il est sûrement caché peut-être. On veut pas être dans cette maison. On peut garder autour. Mr. Ranger, il est méchant. C'est une merde. C'est pas grave, même si tu joues. Bon, les bombes, on peut les mettre dans les cracks.
J'ai jamais marqué qu'il y avait cette étrange caverne ici. Homme dangereux, fais attention au serpent. Ah, combat. Ah, monsieur, un gars est là. Bon, faut qu'on on abandonne ça pour l'instant, semble. Salut, Scali mignonne, comment ça va? C'est un RPG. Qui se parlait. Thank you.
je peux plus passer. Oui, je peux. Je suis bon jusqu'à là. J'ai vu cette madame-là. Faisons des chemins un peu. Je l'ai acheté avant hier, j'ai passé toute la maison. Des chemins, toi. Bon. Il y a une autre maison ici. J'ai attrapé deux.
Encore là, lui. J'avais pas vu ça par exemple. Pousser le levier. Eux va arriver bientôt. Ça c'est à toi. Là-dessus, ça va arriver.
Oh, nouveau level. C'est vraiment noir aussi. Ouais, ben la lumière va aller là-dedans. À long terme.
Sur quoi je devais me guider. J'avais réalisé que j'avais désactivé les affaires. Thank you.
Ah, c'est quoi ça? Plein de petits chats! Léo Percy. Un pauvre petit chose. Oh! C'est Arger, kid. Vous avez descendu ici? Je viens de répondre vite. Ça ressemble pas mal à une prison pour les animaux de compagnie ici. Adatel est presque prêt. J'ai pas le temps à perdre pour ça. Adatel, ça sonne comme des vampires. C'est un vampire. Ça va pas te déranger. Je ne plane pas de tuer personne par rapport à ça. Pas le choix. Toi, tu voles les animaux de compagnie à tout le monde. Après, tu vas essayer de nous tuer. Personne qui a besoin de mourir par rapport à ça, mais là. Plus gros qu'animal, c'est plus gros que moi et toi. Je ne peux pas vous laisser sortir d'ici vivant. Rappelez-vous, c'est vous qui nous a forcé à ça. Parti. Regardez le power que ça m'a donné. Allez.
Air power. Bon, ça va, on va jouer bientôt. Attends, jouer une game ou deux. Oh, c'est le dernier coup! C'est le dernier coup! Yes! 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 C'est ma dernière chance.
Mr. Hargan a été défait. Et les chats furent sauvés. Oh, il est attaché. Laisse-moi aller, Lita. Bon. Nous sommes en danger. Tu n'as pas le temps pour le délai. Le danger qu'il y a ici pour mes chats, c'est toi, mon petit psycho. Peu importe, mon petit psycho. Comment t'as fait pour amener tous ces chats-là sans s'en prendre? Je les ai attirés avec le Magic Flute. Peu importe ce que j'attrape ça. Peu de magie. J'ai pris la flûte magique. J'ai besoin de parler avec lui. C'est vrai qu'est-ce qu'Adrian m'a dit? C'est vous qui êtes responsable de toute la disparition des animaux de compagnie. Écoute-moi, Elder. Je souhaite. Je sais exactement ce que c'est. C'est dans la famille des vampires. Quand ces animaux pour le sang. Oui, je l'admets. Bah, écoute-moi. Mais écoute-moi. La guerre s'en vient, Elder. Et nous ne pouvons pas gagner cette guerre. Nous sommes venus nous allier avec les vampires. Avec la famille des vampires? Comment peuvent devenir des vampires? Vampires de contrôle. Un animal, lui aussi. Non. Avec moi au temple, les enfants. Maintenant, ces animaux sont libérés. Et vivent dans cette place sordide. Et vous pouvez pas parler derrière tout le village. Merci de nous avoir exposé, Anger. Aujourd'hui, c'est un jour bizarre. Cette agression est juste une autre fois. Dire que Anger a raison, la guerre arrive. Restez loin de la forêt bleue de sang. Restant dans la nuit. On espère seulement que... Nous sommes préparés à peu importe ce qui s'en vient. Ah, par rapport à la pierre magique, je m'attendais pas d'en trouver une. Donc vous saviez dans cette lettre que vos skills que vous avez sont vraiment vrais. Wow, merci Eldar. Que Dieu vous protège. Milieu de cet abysse. Attends hors de ma maison. À l'ouest de la place Anger. J'ai oublié. Donc l'épisode 2 est terminé. On a réussi à combattre le méchant en plus.